Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Hein. Et puis ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc on va y aller tout doux. Hein. Commencer. Quoi, là? Voilà, l'éveil spirituel, la prise de conscience, donc, ça peut être toi, ça peut être l'univers, voilà, qui t'envoie des messages pour que tu comprennes certaines choses, etc. Donc là, alors, soit ça peut être te faire prendre conscience de certaines choses chez toi. Peut-être changer aussi certaines choses chez toi. Des choses qui vont pas, ça peut être des tas de choses. Hein. Comme ta maison, etc. Tu vois, c'est pas forcément non plus que, bon, ça oui, ça peut être te faire comprendre que tu dois bouger, peut-être aller vivre ailleurs, déménager, mais ça peut être aussi te faire comprendre que peut-être à l'intérieur de ta maison, il y a certaines choses à voir. Mais c'est vrai que ça peut être aussi un déménagement. D'accord? Ensuite. Donc là, on a les rendez-vous. Les rendez-vous, les propositions. Donc moi, j'ai l'impression que il y a une prise de conscience qui arrive. Ou alors, c'est déjà en cours, ça peut être même déjà là. Tu vois? Ou de toute façon, on prend conscience. Bon, déjà que intérieurement, certaines choses vis-à-vis de toi, mais aussi des choses à l'intérieur de ta maison. Bon. Mais il y a aussi des choses où on va comprendre qu'il est temps de bouger ou de déménager. Parce qu'on a les rendez-vous, on a les propositions qui arrivent. Ensuite, on parle, voilà, de personnes qui vont prendre aussi conscience que peut-être qu'on fait trop de choses à la fois, que l'on gère trop de choses à la fois. Hein. Donc, ça peut être dans le cadre de ta vie privée, il y a aussi la vie professionnelle, il y a aussi tout ce que tu fais chez toi. Parce qu'il n'y a pas que ce qu'on fait au travail, hein, d'accord? Et peut-être que tu vas prendre conscience de certaines choses. Ensuite, on a... Alors, ça peut être toi. Toi, tu es en couple. Toi, tu vas comprendre certaines choses en tant qu'homme ou femme. Tu peux prendre aussi conscience, peut-être, qu'il y en a un des deux qui se pose trop sur l'autre. Que l'autre n'est pas assez présent. Que l'autre fait moins de choses que toi. Donc ça. Après, on est sur des couples. Mais attention, il y a tout âge. D'accord? Donc ça peut être des couples très jeunes. Ça peut être des couples, allez, de 18 à 25 ans, ça peut être des couples aussi de 30 à 40, ça peut être des couples même plus âgés, d'accord? Bon. Donc, ça peut toucher des couples de tout âge, d'accord? Bon. Après, il peut y avoir aussi papa, maman qui vont trouver peut-être que dans ta propre vie à toi, essayer de te faire comprendre certaines choses sur ta propre vie de couple. D'accord? Que peut-être que il y en a un des deux qui fait trop de choses et l'autre peut-être pas assez aussi. Donc, bon. Voilà.
Et que, bon, de toute façon, il y a les choix, hein, peu importe l'âge des couples, etc. Hein, bon. Parce que pour moi, on comprend les choses. D'accord? Clairement, on comprend. Donc ensuite, je vois aussi des amis. Je vois des amis qui peuvent être amis, mais pas pour de bonnes raisons. Parce que, y en a, pour moi, qui gagnent plus d'argent que d'autres, d'accord? Et d'autres qui sont plutôt en perte financière. Et qu'on peut aussi être amis, mais pour profiter de la personne. Hein? Bon. Donc, on me parle de ça, de faire attention aux amitiés, aux profiteurs et aux profiteuses qu'on peut avoir autour de soi-même. Et en plus, il y en a, ils ont ce côté super radin, hein? Et d'autres qui sont justement trop généreux et généreuses. Donc forcément, en plus, on profite ou on va profiter de toi. Donc attention, hein, aux amitiés. Que tu es trop généreux ou trop généreuse, en plus, les autres, ils ont des soucis financiers et ils profitent de toi. Tout simplement. D'accord? Parce qu'en plus, eux, ils sont... Non seulement ils ont des soucis d'argent, mais en plus ils sont super radins. D'accord? Donc tu vois le genre, hein? Donc de toute façon, si tu ouvres les yeux, tu le comprendras. Hein? Donc ensuite, nous avons les mots, les déclarations, etc. Donc en tout cas, moi, je pense vraiment qu'on va comprendre beaucoup de choses déjà en tant que couple. Les couples. Peu importe l'âge. Que ce soit des couples qui ont 20 ans, que ce soit des couples qui ont la trentaine, que ce soit des couples qui ont 50, 60 ans. D'accord? Bon, déjà. Mais en plus, pour ceux qui ont des enfants, d'accord? Qui sont plus à la maison, il y a ça aussi. D'accord? Bon. Ensuite, il y a le côté de l'éveil spirituel grâce à sa flamme jumelle. D'accord? Donc, ta flamme jumelle va sûrement t'aider à prendre conscience de beaucoup de choses dans ta vie, pour moi, tu vois. Voilà. Qu'il est temps pour toi d'avancer, de bouger. Il y a ce truc aussi de faire prendre conscience à sa flamme qu'il est temps de bouger, de faire. Il y en a, je les vois par rapport à un déménagement. Donc là, il est question de l'équilibre. D'accord? De l'équilibre. D'accord? Au niveau de certaines flammes. D'accord? Et grâce à sa flamme, il y en a un des deux qui va comprendre beaucoup de choses grâce à l'autre. Comment comment on doit gérer sa vie? Comment un couple doit être? Tu vois? Après, c'est vrai qu'on a aussi les balances en tant que signe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui remettent sans arrêt une proposition à un homme ou à une femme concernant une vie équilibrée à deux et un déménagement. D'accord? On remet toujours les choses à plus tard et à plus tard. Mais un jour après, ça risque d'être trop tard. Hein? Bon. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est... Oh, plus tard, plus tard, plus tard, mais un jour, ben, il est trop tard aussi. Hein? Bon. Donc ensuite, il y a tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on garde pour soi, tout ce qu'on ne dit pas, déjà, dans ces couples. D'accord? Tout ce qu'ils ne se disent pas l'un à l'autre.
dans les couples. Tout ce qu'on doit cacher. Attention, dans le couple, mais il y a les enfants. Alors, tout dépend l'âge des enfants. Parce que tu as des couples, bon, qui ont des enfants en bas âge. Bon, là aussi, on peut cacher certaines choses concernant les enfants, s'ils sont petits. Après, tu as des parents qui ont des grands-enfants aussi, qui ne vivent plus à la maison, qui ont donc leur propre vie. Mais quoi qu'il en soit, il y a trop de choses que l'on cache, trop de secrets. D'accord? Et j'ai l'impression qu'on a vraiment du mal à extérioriser, qu'on a vraiment du mal à parler de tout ce qui ne va pas déjà dans ces couples, peu importe l'âge, du mal aussi à se confier à d'autres personnes concernant aussi des enfants. Alors, ça peut être des enfants qui sont petits, qui sont encore à la maison, mais attention, tu as ceux aussi qui ne vivent plus à la maison et qui ont eux-mêmes leur propre vie, qui ont eux-mêmes des enfants et couples. Et moi, là, encore une fois, j'ai l'impression que ces couples-là, il y a des choses qu'on ne dit pas à papa et à maman qui ne vont pas. Et que tout ça, on le cache. D'accord? D'accord? Parce que moi, je vois des parents. D'accord? Des parents qui déjà entre eux ont des secrets. Des parents qui ont des secrets l'un pour l'autre, qui sont amoureux en secret de quelqu'un d'autre, mais ça, ils vont pas se le dire, ok? Puis après, ces parents qui ont des enfants, il y en a, ils sont grands et ils ont leur propre vie. Eh bien, pour certains, c'est la même chose. Et ces personnes ont besoin de quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, c'est compliqué. Hein? Bon. Ça, alors, en plus, il y en a le problème aussi, c'est qu'ils vivent chez eux. Ils sont rabaissés à la maison. Par des hommes ou des femmes, hein, donc un ou l'autre, un couple. Hein. Et c'est vraiment ce truc de couple en crise, qui sont plus, ils sont pas équilibrés à la maison, et ça ne va pas. D'accord? Et j'ai vraiment l'impression qu'on a envie d'aller sur un autre chemin, mais qu'on le remet toujours à plus tard. Et comme je te dis, un jour, plus tard, c'est trop tard. D'accord. Donc c'est ça. Moi, je vois des couples, peu importe l'âge, qui se cachent mutuellement l'un à l'autre, qu'ils ont une autre personne dans leur vie. Mais en plus, il y en a, ils ont des enfants. Des enfants. Qui sont eux-mêmes en couple, qui ont des enfants et qui eux-mêmes ont quelqu'un d'autre dans leur vie. Et tout ça, c'est que des secrets. Et que on doit choisir, on doit trancher. D'accord. Et bien sûr, en secret. Alors, en étant ton père, il a une autre femme. Ta mère, elle a quelqu'un d'autre. Après, toi, tu as un couple, mais c'est la même chose. Je vois des secrets des deux côtés. Et bien sûr, tout le monde aime quelqu'un d'autre. Et tout le monde téléphone en secret à la personne que l'on aime. Mais on ne pourra pas rester comme ça. Il faudra se libérer. Il faudra parler. Il faudra trancher.
D'accord. Bon. Au niveau des flammes jumelles, pour moi, façon, on parle de gros changements, d'accord, qui arrivent, qui s'annoncent. Parce qu'il y a le déclic dans la tête. Donc, il y a entre toi et ta flamme, il y a un équilibre de vie qui arrive. D'accord? Pour lui et toi. J'ai un déménagement. Il y a même des choses qui vont changer dans la communication entre toi et lui. Et alors, c'est pas ça. C'est qu'il y en a en plus, ils vont te dire, attention. Ah non, mais moi, franchement, je ne suis pas soumis à ma femme ou à mon mari. Non, non, parce que moi, franchement, ça, je ne le supporterai jamais. Ah non, non, non. Moi, je ne serai jamais soumis à un homme ou une femme. Eh ben, t'es mon œil. T'es mon œil. Tu es soumis à cet homme ou à cette femme. Tu te fais passer en fait pour ce que tu n'es pas. Parce que franchement, pour moi, tu es soumis à cet homme ou à cette femme. Donc, il faut arrêter de faire le cinoche, de faire moi je suis Rambo ou moi je le sponge mon mari. Parce qu'en tout cas, il y en a un des deux qui ment, qui se ment à soi-même ou qui te ment. Parce que t'es mon œil, tu es soumis à cet homme ou à cette femme. D'accord? Ok? Et en plus, non seulement tu es soumis à cet homme ou à cette femme, mais tu mens en plus parce que tu dis que dans ta vie, tout va super bien. Ah oui, que tu es heureux ou que tu es heureuse, que tu es vraiment super heureux ou heureuse, que tout va bien dans ta vie. Et c'est pas vrai. D'accord? C'est pas vrai. Tout simplement. C'est rempli de mensonges. Que ça. Et là, il y en a à l'heure actuelle, qui veulent du changement dans leur vie. OK? Qui veulent trouver les solutions pour être heureux affectivement avec un homme ou une femme. Voilà. Et qui font tout pour y arriver. Mais franchement, ils disent que tout va bien dans leur vie, en gros, comme je te dis, hein, qu'ils sont soumis à personne, etc. Mais ils mentent. Franchement, ils mentent. D'accord? Oh, punaise. Et en plus, il y en a, vous êtes avec des pervers ou des perverses narcissiques. Clairement. Clairement, il y en a, ils sont en couple. Ou en couple avec des pervers narcissiques. Voilà, c'est clair. Et puis, il y a ceux aussi qui peuvent être en communication sur la toile, sur les réseaux, avec des hommes ou des femmes qui sont des pervers narcissiques. Et qui cachent, et qui te cachent réellement leur vrai visage. Et là, on te dit, on va faire tomber les masques. On va te faire comprendre qu'il y a un homme ou une femme qui prétend être quelqu'un de magnifique. Mais ce n'est pas le cas. C'est un menteur ou une menteuse qui n'est pas sincère. Et ensuite, on dit que il y a des personnes qui le subissent. Ceci. La perversité d'un homme ou d'une femme. Et il y a quelqu'un qui en souffre et qui le cache. Et que là, à l'heure actuelle,
Il y a quelqu'un qui tourne en rond dans un labyrinthe. Quelqu'un qui essaye de se battre contre ce problème et de s'en sortir. Et ensuite, on a tout ce qui est les parents. Alors attention, je t'ai expliqué. Il y a des couples âgés, il y en a, ils sont plus jeunes, il y en a, ils sont très jeunes. Mais là-dedans, tout ça, ça ne va pas. En plus, il y en a, eux-mêmes, ils ont des enfants qui eux-mêmes sont parents. Et là, encore une fois, il y a des secrets, il y a des triangulaires. Et on appelle en cachette. Et machin bidule. D'accord? La jalousie. Bien sûr, la jalousie, c'est normal. Mais c'est normal qu'il y ait de la jalousie. Parce que tu es en couple. Hein? Tu es en couple, mais tu as quelqu'un d'autre. Tu appelles quelqu'un d'autre. Donc forcément, hein? On va le sentir, tout ça. Les choses, les secrets, les choses, les appels. Les gens, ils sont pas bêtes. Hein? Ils sentent à force qu'on cache des choses et qu'on a quelqu'un d'autre et qu'on aime quelqu'un d'autre. Bon. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir quand même se bouger les fesses pour trouver vos solutions, là, parce que tout ça, ça tourne en rond. Hein. Alors, il y a les flammes jumelles, elles sont en souffrance. Ça fait de la peine et des blessures. Alors, si vous avez des choses à régler dans votre vie, faites-le et faites vos changements pour avoir une vie équilibrée. Parce que ça crée des blessures. OK? Déjà. D'accord? Ça ne va pas tout ça. D'accord? Donc, si vous voulez changer votre vie et être avec votre flamme, ouais, ça peut être que vous avez aussi la flemme de le faire. Hein. Faites-le. Ceux qui sont avec des personnes, dans des trucs où vous êtes avec un pervers ou une pervers narcissique, arrêtez d'être soumis. Arrêtez de dire non, non, moi je ne suis pas soumis à lui. Non, non, moi tout va bien dans ma vie. Arrêtez, vous mentez. Donc, faites ce qu'il y a à faire pour changer les choses dans votre vie. Arrêtez d'attendre, arrêtez de faire semblant de ne pas voir, arrêtez de dire j'ai la patience, mais j'en ai marre, j'attends, j'attends. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que l'autre, il ne va pas changer. Bon, alors en plus, il y en a de base, ça devait être que des trucs d'un soir ou, tu vois, pas longtemps. Bon, t'as joué, t'as perdu, d'accord? Donc, tu t'es accroché. Alors, des hommes, c'est les hommes et les femmes, hein? Donc, bon, tu pensais pas que ça allait durer, mais tu t'es fait, tu joues, tu te brûles, voilà. Hein? Donc, tu te retrouves dans un truc où, peu importe l'âge, peu importe l'âge. Et n'oubliez pas que papa, maman, vous avez des enfants, hein, et il y en a, ils sont grands. Et que eux-mêmes, il y en a, ils ont les mêmes problèmes que vous. Mais bien sûr, ça, vous ne le dites pas entre vous. Et que de base, on se dit, ah, mais pff, ça va être qu'un truc d'une nuit, 6 mois. Mais non, c'est encore là. Tu vois? Et que tu es tombé amoureux ou amoureuse. Et que là, vous tournez dans un labyrinthe. Mais là, il va falloir vous réveiller, les gogos, hein, les gogos, là, les messieurs et les madames. Et prendre vos responsabilités et aller dire à ton mari ou à ta femme que tu ne l'aimes plus, que tu es amoureux de quelqu'un d'autre. Et toi, la femme, ben, il y en a, c'est la même chose. Il va falloir que tu ailles dire à ton mari, là, que tu es amoureuse de quelqu'un d'autre et avancer dans vos vies. Parce que là, ça ne va pas du tout. Ça commence à monter très mauvaise ambiance. Alors, avant que tout pète, moi, je vous conseille de prendre vos responsabilités, en fait. Voilà. Parce que ça va péter.
Et de toute façon, alors, ceux qui sont en flamme, vous allez régler la situation, parce que lui, il souffre et toi, tu souffres. Donc, j'ai le déménagement et la stabilité. D'accord? Hop, hop, hop. Donc, ça peut pas, ça va pas rester comme ça. Clair et net. En plus, c'est bizarre parce que c'est des couples qui sont très différents. Très différents. Il y en a, ils sont vachement maison. Très maison, tout ça. Ils n'aiment pas trop sortir dans ces couples. Enfin, il y en a un qui n'aime pas trop sortir et l'autre qui a le feu aux fesses. D'accord? Et puis, même au niveau, comment te dire? Parce que moi, je vois les amants et les maîtresses dans ces couples et ils sont un peu pareils. Et même les âmes, vos enfants, et j'ai les mêmes choses, c'est bizarre, ça fait pareil. Tu vois? Mais moi, j'ai les chemins qui se séparent. Ah, et puis alors, il y en a, ils ont vachement. Attention, parce qu'en plus, ça, ils le sentent, hein, qu'il y a les cocufiages. Alors. Ton mari doit sentir que tu as quelqu'un, mais inversement aussi. Hein. Et puis, il y a un truc familial, on sent. On le sent. Donc moi, c'est un conseil, avant que la marmite déborde, moi, je vous conseille de parler. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, hein, après tout. Hein. Voilà, c'est pas la mienne, hein. Mais moi je sens que la couscoussière va déborder. Donc là, alors là, il y a des séjours, hein. On part en vacances, etc. Bon, hein. Voilà, on part en vacances, en couple, on fait comme si tout allait bien, mais ça ne va pas du tout, hein. Bon, donc voilà, hein. Ça ne va pas du tout. On fait bon comme si tout allait très bien, les petits congés, machin. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Alors certains, bien sûr, ah oui, il y en a, ils sont partis en congé. Mais bon, je les vois quand même. Bon, ils sont en congé ensemble, mais bon, c'est pas pour ça qu'on n'a pas l'amant et la maîtresse. D'accord? Donc ton père, ta mère, mais toi aussi. D'accord? Bon. Et que, bon, ben, du coup, ben, vous êtes pas, au niveau de la communication avec votre maîtresse ou votre amant, c'est compliqué. C'est plus compliqué en ce moment. Ouais. Ouais. Et alors, on va réfléchir de tout ça, hein, parce qu'il y a le manque, etc., évidemment. Mais moi, franchement, si j'étais vous, je réglerai ce que vous avez à régler parce que ça va péter. Hein. Ça va péter. Ouais. Bon, alors bien sûr, je vous dis. Alors, il y a aussi des couples comme des enfants jeunes. Hein. Mais bon, là, je t'ai dit, hein, on fait ça. Oui, tout va bien. Moi, je ne suis pas soumis à mon homme ou à ma femme. T'as mon œil. T'as mon œil. Tu le fais croire à qui tu veux, homme, femme, et moi je vous dis que c'est pas vrai. Et en plus, ces couples, alors, je t'ai expliqué, hein, c'est la crise. C'est la crise entre eux, mais ils demandent pas d'aide. Alors, le mari va pas demander d'aide à la maîtresse. La maîtresse. Elle demande pas d'aide à l'amant. En plus, dans le couple, ils ne se parlent de rien. C'est le bordel, en fait. Hein. Bon, moi, je vous le dis, et on se sent dans cette toile d'araignée, et on ne sait pas comment faire. Mais pourtant, c'est simple. Hein. C'est simple.
toi, en tant qu'homme, tu prends tes responsabilités vis-à-vis de ta compagne ou de ta femme et tu lui dis que tu ne l'aimes plus. C'est comme ça. Hein? Tu voulais que je vous dise. Toi, la femme, si tu as un amant, eh ben, tu prends tes responsabilités envers ton mari et tu lui parles. Si vraiment tu ne l'aimes plus. Le monsieur, c'est la même chose. Hein? Dans la vie, il faut faire des choix. Il faut prendre des responsabilités. Tout simplement, à un moment donné. Parce que ça, c'est très mauvais. Et que quand la couscoussière, elle va péter, ça va péter dans tous les sens. Et après, on se demande pourquoi? Pourquoi? On le prend encore plus mal. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que tu es en couple avec quelqu'un, mais tu mens ton mari ou ta femme. Mais c'est pas ça. C'est que souvent, en plus, on va mentir à la maîtresse ou à l'amant. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, ça pète. Donc, moi, je le vois, franchement, régler tout. Parce que ça va mal finir, ces histoires. Moi, je vous le dis. Après, c'est vous qui voyez, hein, moi, écoutez. Je dis ça, je dis rien. C'est un conseil. Donc voilà. Prédamment, bon. Il y a l'histoire du pognon là-dedans, hein, bon. Aussi. Cache beaucoup de choses, hein, au niveau de l'argent, etc. Hein, dans ces couples. Hein. Il y en a, ils gèrent même pas leur argent dans le couple. Ah non, mais c'est dingue, hein, c'est pas possible ça. Moi, c'est un conseil avant que la marmite explose. Et le pire, c'est qu'il y en a. Ils se donnent à fond dans des relations. Ou l'autre, il n'en a rien à faire de toi. Il y en a, ils sont là à s'investir dans des relations où tu es avec un pervers ou une pervers narcissique, pour certains en plus. Donc, à un moment donné, puis alors, tu as ceux que je vous dis, réglez vos comptes avant que ça explose. Parce que ça va exploser et que ça va faire mal. Et puis il y en a, il y en a, ils espèrent peut-être même que la relation, ceux qui sont avec un pervers ou je sais pas quoi là, que ça change. Mais ça changera pas. Il faut que tu arrives à ouvrir les yeux, que tu es avec un manipulateur ou une manipulatrice, pervers ou perverse narcissique. Et que la stabilité, tu ne l'auras jamais avec cette personne. Ok? Bon. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ok? Alors, oh tiens. Jamais. Voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.